Meghan Markle racontait il y a quelques années sur son blog The Tig les dessous de son enfance difficile. Avant de devenir une duchesse, Meghan Markle a connu des hauts et des bas. Une enfance marquée par l'injustice de ses camarades en raison de son apparence physique. C'est ce que la jeune femme confiait sur son blog, The Tig, qu'elle a fermé en raison de sa relation avec le prince Harry et son entrée au sein de la famille royale britannique. Les années de mes 20 ans ont été brutales, une bataille constante avec moi-même, jugeant mon poids, mon style, mon envie d'être aussi cool, branchée, intelligente, et le reste, que tous les autres. Mon adolescence était encore pire, à lutter pour rentrer dans le moule, à comprendre ce que cela voulait dire. À l'école, des clans se forment. Les blanches, les noires, les philippines, les latinas. En étant métisse, je me sentais dans aucun de ces groupes. Meghan Markle a appris à lutter contre ses incertitudes, ses doutes. Aujourd'hui, elle est bien dans sa peau. Je suis heureuse, et je peux le dire aussi pleinement car cela m'a pris du temps. D'être heureuse. D'arriver à être bienveillante envers moi-même. De ne pas simplement choisir le bonheur, mais aussi de le ressentir. La clé de l'amour? Le 19 mai dernier, Meghan Markle épousait le prince Harry lors d'une cérémonie au château de Windsor. Times through the rough times I